Je préfère me confier à personne car il parle tous La vie c'est dur, la vie c'est pas cool C'est pas un cartoon Faut charbonner pour faire un tatsou hey. Je que ma mère soit fière de... Bonjour à tous. Ça va, vous allez bien euh, En fait, j'ai ramené ma chaise Logitech là de la maison. Là en gros, j'ai ramené ma chaise Logitech. Du coup, j'ai ma chaise Logitech, trop et je sais plus comment je faisais pour la bloquer. Normalement, je me rappelle, j'avais un petit truc qu'il fallait que je pousse. j'ai l'impression qu'il a disparu. Attends, j'espère que je l'ai pas cassé. Ah Arrêtez de me grogner bordel. Les gars, je viens de me réveiller et franchement, en vrai la strate euh, la strate du euh, vous spammer, elle a bien marché, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je suis trop fatigué hein. Vous vous en doutez bien. Mais en gros, normalement, j'ai pas toutes les notifs Twitter, tu vois. Et là, pour l'exception d'aujourd'hui, je les avais activés tu vois. Donc ça veut dire dès que vous mettiez un fa RT un... Cité ou, euh, ou, euh, ou, un, ou une mention Mon téléphone il vibrait ok Et en fait ce qui s'est passé c'est que il a vibré euh, genre en gros euh, de bon il, il faisait Il faisait que vibrer mais, euh, mais ça allait Et il a beaucoup vibré à 21h tu vois un petit, voire un petit peu avant Parce que vous avez été un peu des putes Et le truc c'est que malgré les vibrages J'ai réussi à m'endormir Par dessus les vibrages Et au bout d'un moment Je m'étais carrément habitué au vibrage Dis la vérité Je m'étais je carrément habitué C'est-à-dire que mon téléphone il vibrait Il vibrait Il vibrait Vu qu'il vibrait Vibration mais n'importe quoi Vibrage vous, vous, vous savez pas parler français vous Non parce que ça vient d'un anglais Vibration et du coup ça dit vibrage Et bref euh, mon téléphone brûlant sa grand-mère Et je dois vous faire une confession Je dois vous faire une confession au bout d'un moment j'en avais marre euh, J'en avais marre des, des vibrage J'en avais marre que mon téléphone fasse que Vibrage Et du coup je suis allé dans le menu J'ai commencé à aller pour désactiver les notifs Twitter Je vous l'avoue Je vous l'avoue J'allais remettre mes, mes notifs à la normale C'est-à-dire euh, sans, euh, sans sans vibrage sans rien euh, Je, je l'avoue Il est vrai Et en fait genre le fait de faire ça Mon téléphone il sent brûlant Je dois aller dans réglage Twitter Notification Il y avait, avait plein de menus à ouvrir à ouvrir et tout tu vois Ça m'a un petit peu réveillé tu vois Ça m'a un, un petit peu réveillé du coup j'étais un peu comme ça et mais t'as vu genre j'avais la culpabilité vous avez vu quand vous vous levez le matin et que vous décidez de ne pas aller au travail ou de, de ne pas aller en cours pour x ou y raison parce que vous êtes trop fatigué tu vois et vous êtes dans votre lit faut que j'y aille mais d'un coup vous vous dites ouais mais qu'est ce que je suis fatigué quand même <laughs> tu vois j'ai eu ce double ce double truc en tête au final fake il m'a appelé ça s'est super bien enchaîné il m'a appelé une fois j'ai raccroché il m'a appelé deux fois j'ai raccroché il m'a appelé trois fois j'ai décroché je insulté insulté sa mère euh, j'ai dit qu'est -ce, que, qu ce que tu veux j'étais super désagréable avec toi fake désolé mon frère j'ai été super aigri on a, on a, on a fait, un, on a fait un, un changement de carte pour aujourd'hui mais je suis là, bel et bien réveillé. Fait quel bon. Non mais je me serais levé, je pense. En plus, je... plus c'est pour ça, j'ai ai été aigri avec lui. Alors que dans tous les cas, je me serais levé. Mais les gars, j'ai passé une grosse journée. Hein. En fait, je me suis, ré... je suis réveillé depuis 4h du matin. Je suis réveillé depuis 4h du matin, mais avec le changement d'heure. En vrai, je suis réveillé depuis 5h je crois du coup. Non on est parti, on est parti, je crois, euh, du, du Airbnb à à 6h, je crois. Je crois qu'on est parti à 6h. 8h on arrive à Toulouse. 8h euh, on... il fallait, il fallait qu'on finisse de faire des cartons. Tu, sais, tu vois, restait des cartons de merde. Des habits, des meubles, des... enfin des meubles, des petits meubles, tu vois. Mais bref, tous les trucs un petit peu chiants, tu vois. Donc au final, on a fait ça. Après, les déménageurs ils sont arrivés. Bref là j'ai terminé en gros on a, termi... on a terminé le déménagement euh, là euh, à, euh, à 19h quand j'ai fait, fait la story dans la voiture. Non C'était un peu avant, c'était 18h30, je crois. Et oui, mais ça mais attendez, mais l'araignée, moi je m'attendais pas à faire autant, autant, de, autant de buzz. <laughs> le mec grave à l'ancienne. Non mais j'ai grave fait du buzz les gars sur, euh, sur, sur l'araignée sur TikTok. Je suis dégoûté parce que j'aurais pu faire une storyline de zinzin. J'aurais pu l'exploiter à la mort cette araignée. Et au final, moi t'as vu, parce que c'est Elias qui a fait le TikTok. C'est Elias qui a fait le TikTok, tu vois. Et moi je me suis juste retrouvé à, à, à faire une story de l'araignée. Mais après moi je passé à autre chose, tu vois. Moi j'étais passé à autre chose. J'étais grave dans ma journée de, de déménagement et j'avais pas vu les, euh, les stats de fou. là J'aurais pu faire un TikTok où je la capture, j'aurais pu faire un, un autre TikTok où je la remets en liberté, j'aurais repu faire un TikTok, je vais prendre des nouvelles d'elle, oh là là, tout ça en une minute frérot, à pas, 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 pas. contre nous, nous, ben, j'ai rien de plus à vous dire ça, hein. je suis allé au chiot, j'ai vu l'araignée, euh, j'ai pris un story, je suis parti. <laughs> ce, que, ce, que, ce que je peux vous dire, c'est que quand, quand moi je suis parti de la JL House, elle était pas là. Il y avait sa petite soeur, vous voyez, quand vous regardez bien le TikTok, il y a sa petite soeur qui est en haut, et en gros, elle, on l'avait euh, on, on la laisse, tu vois, parce que tu sais, genre les araignées de chiot, tu vois, ça ça fait des toiles, ça bouffe, les, ça bouffe les moustiques, les moucherons, les trucs comme ça, tu vois. Celle-là, on l'avait laissée. Et là, il y a une grosse casse-pawn, je ne sais pas. Et en plus, elles étaient côte à côte les deux. Mais c'est vrai qu'elle était impressionnante. hein. Et, et, et dites-vous, en général, vous, vous vous rendez bien compte que souvent quand tu filmes en téléphone et quand tu euh, prends euh, en vrai, ça paraît plus petit quand tu le vois sur le téléphone. Dites-vous, en vrai, elle est encore plus grande. Les araignées, ça me protège de fou. Moi, je suis pas... En, euh, de base, je suis pas... Euh, ouais, les araignées et tout, tu vois. Mais là, je t'avoue que... Je t'avoue que, bon, déjà, on arrive à la JL House. Euh, ma meuf, elle m'a dit, je faire pipi. J'ai entendu un hurlement, j'ai compris. Euh, je me suis dit... Je me suis dit bon là, je me suis redressé comme ça, je me suis redressé, j'ai dit allez là, je vais devoir faire mon, mon travail d'homme. Je suis parti comme ça, je suis arrivé au chiottes. Elle m'a dit regarde, j'ai regardé, je suis peut-être pas un homme. <laughs> je suis... Je suis... Peut-être que t'as il une <laughs> rien, attention. Non mais en général t'as vu, je moi je les tue pas, je suis pas, je suis pas. Oh Oh mon dieu Non, parlons de tuage Je suis un assassin, la famille Oh non, je suis un assassin Et, et, et je voulais faire une story, et j'ai pas voulu le faire tellement je culpabilisais Oh non Non, je suis vraiment un assassin Ouais, j'ai tué un oiseau J'ai tué un coquelicot à, à col rouge Non pas un coquelicot, peut-être un moineau, tu vois, ou un truc comme ça. Un truc à, à col rouge. Comment ça s'appelle Un rouge gorge. Attends, est-ce que c'était est un rouge gorge Pourquoi un rouge gorge lingerie Mais bordel. Ouais. Regardez. Oh là là. Attendez, je vais vous raconter comment je l'ai tué. C'était vraiment un truc comme ça. Oh non, non. Mais l'image, elle est horrible. L'image, elle est horrible. Franchement, je vais vous raconter une histoire triste. Hein. Je vais vous raconter une histoire triste. J'espère qu'il n'y a pas Ninz sur le stream parce que ça fait de la peine. Hein. Elle a Ninz Oh putain, elle est là. En gros, mais non, mais j je l'ai pas tué volontairement, bordel. Je l'ai pas tué volontairement. Mais en gros, j'étais sur l'autoroute, tu vois. J'étais sur l'autoroute et qu'est-ce que j'allais vite. Oh là là. Non, c'est. Non, Genre j'étais en... Regarde, je vais, je, vais, je vais dire une rêve de Matrixé, comme ça les, les flics, ils pourront pas, euh, ils pourront pas savoir. Mais ça, j'étais en x32, tu vois J'étais en, en x32 dans la voiture. Tu vois, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup plus x32 en gros, tu vois C'est pas beaucoup plus. Et d'un coup, je vois... Euh... Ça va vite, tu vois Ça va vite à cette vitesse. Et je vois une, une espèce de lumière... Euh... Enfin, une lumière. C'est la nuit, et je vois une boule, une boule orange, qui passe euh, grave bas, t'as vu Genre, elle, elle passe comme ça. Elle passe comme ça devant moi. Et j'entends boum. Un petit boum. Tiens un, un petit boum, franchement... Un... C'est pas un gros boum, c'est vraiment un boum. Tu vois la, la, la bagnole, elle vibre pas, rien, tout va bien. Je me dit, wesh, il est grosse papillons tu vois moi je crois que c'était un, un gros papillon de nuit tu sais genre euh, tu sais genre les, euh, les les insectes là un petit, un petit peu gros tu vois moi je me dis bon c'est ça parce que si j'ai un doute je me dis je me dis mais ça pourrait pas être un oiseau pourquoi un oiseau il volerait à, à 30 cm du sol par contre normalement un oiseau t'as tout le ciel tu vois genre euh, tu vois, au bout d'un moment non mais je veux, je veux je veux bien je veux bien avoir ma, ma part de responsabilité là dedans frérot mais vole plus haut attends bref je vais pas commencer à le vanner parce qu'il me fait trop de la peine c'est pas fini bref jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant je, je, je ne sais pas ce qui s'est passé tu vois j'ai un doute mais je me mens moi-même voilà je, voilà et c'est vrai parce que je vous jure je vous jure, en fait dans ma tête je, je savais que c'était un oiseau mais je me moi-même je me dis et c'est là que je me, je me fais cette, ré cette réflexion. Je me dis mais un oiseau il volerait pas aussi bas, c'est pas con un oiseau ça justement tu vois. Je me dis ça pourrait voler plus haut un oiseau c'est pas, pas con. Bref, je suis là je, co je continue à rouler et je roule peut-être encore pendant 30-40 minutes. Je m'arrête à une aire d'autoroute pour mettre de l'essence. Il y a un gitan la, la je, vais, je vous le décris d'accord la cinquantaine. C'est les gitans euh, vachement mat de peau qui fument des clopes à la vanille. Vous avez, vous avez un petit peu l'image genre la barbe la barbe elle remonte jusqu'en dessous des yeux. Je roule il fixe la voiture comme ça. Tu vois lui il était à pied il était à pied en, il était à pied en dessous euh, à, à côté de trucs d'autoroute. Tu wesh, qu'est-ce qu'il a Je passe devant lui je le moi Il me fait ça, je fais ça. Je rentre dans, je rentre dans le magasin, je me prends un cappuccino au Pas ouf. Franchement, ne, 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 prenez pas, ne prenez pas ça dans les, dans les, dans les, dans les stations essence. Je sors, je vois, il est en, je, vois, euh, je vois il est en face de ma voiture, il dans ma voiture, tu vois. Mais je vous oulala, Qu'est-ce qu'il qu qu veut faire à la bagnole On va pas toucher à la bagnole, hein, celui-là. Du coup, je sors, il me dit regarde. Et en fait, dans mon pare-choc, attendez vraiment, pour, pour, vraiment pour que vous vous rendiez compte. Vous voyez là devant, il y a des trous. Ici, là, il y a des trous. Vous voyez là dans, dans, dans ce trou là, dans ce trou-là, dans ce trou-là, je vois quoi Une boule de plume. Je vois, une, je vois une boule de plume comme ça, t'as vu Genre, euh... là, j'ai tout mon truc qui se remet dans ma tête là. Là, je regarde et je comprends. Et sais très Très bien ce qui s'est passé là, je me rends compte, je me dis putain, j'ai tué un piaf. Mais non non, je pouvais pas faire de story, je pouvais pas, je pouvais pas prendre en photo ça, franchement. Non franchement, vraiment vraiment j'étais triste hein, j'étais triste parce que qu'est-ce qu'il était magnifique. C'était vraiment un petit, un petit oiseau vraiment trop mignon. Et c'est le gitan, il me dit ça c'est un rouge gorge, ça c'est un rouge gorge, c'est magnifique ça. Et il me dit ça comme ça, mais t'as vu avec, avec cette voix, t'as vu genre une voix dramatique de film. Mais ça c'est un rouge gorge, ça c'est magnifique comme piaf, comme, oise comme, oiseau. Dit, comme oiseau, il me dit comme oiseau. Ça c'est un rouge gorge, ça c'est magnifique comme oiseau. Je sais pas faire l'accent gitan. Quand je le regarde. Oh, putain. Non mais vraiment vraiment les gars, non mais vraiment j'ai culpabilise à la mort. Mais attendez, J'essaye de, de le retirer de mon pare choc J'essaye de le retirer de mon pare tu t'as vu Et je voulais pas toucher avec mes doigts Du coup j'essaie de faire ça comme ça avec mon pied pour, euh, pour essayer de l'enlever J'y arrive pas Il était bloqué là Mais les gars il a, il a tapé vite hein. Non mais je le dis avec le sourire Mais c'est nerveux hein as vu, il a tapé vite Ça veut dire il était enfoncé dans le Il était enfoncé dans la voiture hein. Je suis là Je réfléchis Je me dis je vois mon verre Je vois mon café Je vois ma touillette Je me dis allez à sois un homme Du coup je touille vite mon café comme ça Je touille je touille Je touille Je sors ma touillette Je la frotte comme ça Et j'ai pris, pris ma touillette Je l'ai retiré de la voiture Je l'ai retiré de la voiture Il est tombé J'ai pris des petits mouchoirs <laughs> On dirait, essayez de l'imaginer avec des bandes noires et une musique triste. J'ai pris des petits mouchoirs, je l'ai encerclé comme ça, je l'avais dans les mains, je suis parti, je lui ai trouvé, je lui ai trouvé un petit bout d'herbe, je l'ai posé délicatement au sol. J'ai regardé le ciel comme ça, je suis rentré dans ma voiture. Non mais vraiment Et voilà en plus j'étais sur la route comme ça, je vous disais, non mais les gars, je vous parle sérieux hein, t'as vu Parce que c'est la première fois que je tue quelqu'un, ou quelque chose, tu vois, qui n'est pas un insecte on va dire, tu vois, c'est la première fois que je tue un animal. Voilà, voilà, je vous parle sérieux hein, vraiment. J'étais sur la route, t'as vu, il y avait ma meuf, elle dormait à côté, il y avait fait qui dormait à côté. Et moi j'étais le seul réveillé comme ça. Je regardais la route, je me disais, putain, il y a une heure il était en vie. Et maintenant il est plus en vie. <laughs> C'est là comme ça Tu mais veux... Putain mais ça se trouvait Ça t'a rendu à l'autre bout de la route, elle le regardait <laughs> Non, c'est dingue. C'est fou, hein. Mais, mais en vrai, en vrai, franchement, fr franchement, c'est pas ma faute. Pas ma faute. Je, je ne comprends pas pourquoi il roulait aussi bas. Est-ce que, est que des fois les euh, les piafs rou rou roulent pourquoi il roulait aussi bas euh, Pourquoi il volait aussi bas Pourquoi il volait aussi bas Si c'est ta faute. Et ouais, chez des mois moi me déculpabiliser Faites pas les chiens, les gars, je culpabilise premier degré. Il s'est fait aspirer juste. Oui, parce qu'en plus, Zama il volait comme ça et d'un coup il a fait. Non, je vous dis que c'est ma faute, c'est-à-dire si, si jamais il allait moins vite, je l'aurais pas aspiré. Euh, si j'allais moins, j'allais moins, moins vite. Genre vraiment vraiment, il était là, il était, il était au niveau non pas plus, par contre par contre attendez, hein. Aspire, aspiration par aspiration. Je suis désolé il enculé mon pare-brise hein, sinon parce qu'il est au niveau de mon pare-brise, il était au niveau de mes yeux, hein. il est au niveau de mes yeux, je l'aurais tapé, et ça aurait enculé mon pare-brise, ça aurait été... Euh... Après il y avait du monde sur la route, bah j'étais en train de doubler quoi, t'es sur la voie de gauche en train de doubler, lui il est parti de gauche, il est allé vers la droite et il était comme ça il a fait ça il a fait <laughs> t'aurais pas doublé il serait en vie, mais les gars euh... si j'étais allé encore plus vite il serait en vie, hein. mais non ça marche pas votre truc là, je suis pas d'accord, hein si j'avais roulé encore plus vite et encore plus dangereusement, si jamais le mec j'avais doublé par la droite ou si, si, si j'étais pas sur la bande d'arrêt d'urgence il serait pas mort non plus, non arrêtez 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 bref les gars je suis franchement franchement je suis triste c'est mon premier meurtre j'étais euh, J'étais pendant longtemps. Je me disais, je me disais putain, ça va vite. Il y a, il y a un jour, je ne sais plus c'est quel philosophe des Lumières, il a dit la vie, ça va trop vite, prends ce que ta profite Je ne sais plus si c'était euh, Voltaire ou. Euh... Ça va vous sinon. En plus demain j'ai une visite d'appart à midi. Là franchement si j'avais dormi j'aurais été super bien. Vous me niquez ma vie hein. Je suis pas content. Je pense que demain je vais pas y aller hein. Je pense que demain je vais envoyer ma gonzesse à la visite. En vrai je pense, en, en, en vrai je pense que c'est mieux. En vrai je pense que malheureusement, et il y en a plein, vous allez me dire non Thomas, euh, le racisme n'existe pas en France. Mais je pense que c'est une bonne chose si jamais euh, je vais pas au rendez-vous. Malheureusement. En vrai hein, bah ouais. Il faut que ma gonzesse elle dise ouais. Euh, il est au taf, il pouvait pas venir, il est débordé, tu vois un petit truc comme ça. Et frère, euh, et frère, force à nous, hein. Mon mari Toba. <laughs> Thomas comment Thomas... <laughs> C'est très bien Thomas En vrai ça m'arrange parce que j'ai grave la flemme Et, euh, et au, moins, euh, au, moins, au moins ça va augmenter mon win rate euh, Mon win rate de l'avoir ça j Imagine c'est un viewer Franchement je sais pas si j'ai envie de louer euh, Je sais pas si j'ai envie de louer un appart t'es un viewer hein. En vrai de vrai hein. Moi j'aime bien quand les gens ils me connaissent pas Et qu'ils se comportent de manière normale avec moi Même si jamais euh, c'est plus compliqué forcément C'est plus logique Au fait la vidéo Turquie arrive et, euh, et elle va être différente des autres, des autres vlogs que vous, avez, que vous avez pu avoir Je suis en train de prendre la voix un petit peu De, de, de ce que je voulais faire vous vous rappelez Je vais caler une voix et tout pour, pour raconter les trucs mais bah là je l'ai fait je l'ai fait hier je les règles je l'ai envoyé à, je l'ai à médicaments et là elle arrive non mais c'est vraiment ma faute les euh, la la vidéo Turquie en fait en gros je pensais avoir envoyé les rush à médicaments et en fait je ne les avais jamais envoyé tu sais genre euh, en gros je le fais je le fais avec mon téléphone je le mets en je, je le mets en drive et en gros au bout d'un moment genre euh, j'ai commencé à upload les les, euh, les rushs, et au bout d'un moment j'ai oublié au bout d'un moment j'ai oublié et j'ai fermé j'ai fait tu sais genre tu sais des fois t'as le reflex tu fermes toutes les applications et en gros j'ai fait ça moi quand même mon goal ok mais c'est un de 30 ans mature c'est bon non mais oui après je suis pas en mode je suis pas en mode bloquer ça tu vois mais genre en vrai en, vrai, en général en vrai, en général, je préfère quand même. Euh, je préfère quand c'est pas des viewers, ou des trucs comme ça. Euh, je ne vais pas faire de live spécial Halloween. Euh, attends, de toute façon, on est on est on est combien 30. Ah, on est le 30. Bah c'est pas Halloween. Bah super, impeccable. Ah, je crois que c'était c'est aujourd'hui euh, Halloween. Non mais je préfère je préfère vous prévenir. Je vais pas faire des euh, je vais pas faire des lives euh, euh, horreur, euh, machin, truc, je sais pas quoi. Euh, on encule Halloween. <laughs> On a Halloween, pas trop mon de, mon dos et, euh, et ça m'arrange parce que parce que ça, ça me fait peur et vous le savez que je suis euh, que je suis à manger merde. Donc si on peut faire une pierre de coups, eh ben euh, Eh ben tant mieux. <laughs> non franchement moi je suis. Non frère, moi, moi j'ai grave chaud. Déjà, euh, déjà au pire, au pire euh, au pire ça vous fait plaisir, mais tu vois, pas, pas forcément par rapport à Halloween, mais au pire ça vous fait plaisir euh, peut-être euh, peut-être demain je lancerai euh, d'or, tu vois. Ça peut être l'occasion de le finir. Mais sinon, voilà, ne vous attendez pas euh, à, ce me, à ce que je me déguise. Et que je mette... Euh, que je me, que je me, je me déguise en en, en en clown ou je ne sais trop quoi. Depuis petit on bassine, faut déloquer pour les filles où elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine, tous les fois qui me parlent, plus quoi ce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des frons, ils veulent m'impôt ma mais non pas les couilles de chasse.